pour moi, un réseau social tout seul, il ne permet rien. En fait, un réseau social, c'est un médium, c'est un média. Et donc, ce qui permet de mobiliser, c'est avant tout la rencontre humaine. En fait, c'est des gens qui se mettent ensemble et qui sont nourris par une même cause. Le réseau social, c'est un outil. Et donc, il faut bien garder ça en tête, que ça ne permet juste de synchroniser, peut-être de démultiplier un engagement. Mais avant tout, le message, la cause, le rassemblement, ils sont bien au-delà du réseau social et peuvent éventuellement avoir d'autres formes dans les années qui viennent. Aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux qui portent le plus, effectivement, la mobilisation sur Internet. Il y a 20 ans, on n'en entendait pas parler. C'était évidemment toujours des rassemblements physiques. Qu'est-ce que ce sera dans 20 ans? On ne peut pas le savoir aujourd'hui. Bien s'informer sur les réseaux sociaux, c'est faire le tri. S'informer auprès de médias reconnus. Alors des médias reconnus, ce n'est pas forcément des médias qui existent déjà depuis 100 ans ou qui sont sur le papier ou à la télé. On a ce qu'on appelle des pure players, des médias qui sont nés sur Internet, qui ont une existence numérique et donc qui sont souvent très présents sur les réseaux sociaux. En France, on pense tous à Mediapart, par exemple. Mais en tout cas, c'est de prendre le temps de se dire qu'est-ce qu'un média sérieux. Donc ça veut dire, souvent les médias les plus sérieux sont les plus suivis, c'est faire attention à ça. C'est aussi voir ce que ses amis suivent. Et en tout cas, faire vraiment attention à des gens qui, pas forcément mal intentionnés, mais se piquent de faire de l'info. On ne peut pas raconter tout et n'importe quoi. Alors effectivement, les médias ne sont pas toujours exempts de reproches, mais en général, il y a quand même, j'allais dire, la plupart des gens font quand même leur travail honnêtement, donc sur les réseaux sociaux, de faire attention de suivre des médias reconnus. Alors il n'y a pas une liste de médias reconnus, mais j'allais dire déjà, par exemple, le nombre de suiveurs, c'est quand même une indication assez importante. L'enjeu pour l'école, d'une manière générale, c'est de ne pas tomber dans les deux pièges que serait d'une part la mythification des réseaux sociaux, penser que ça va tout changer, tout résoudre, etc. Mais l'autre piège, c'est celui de la diabolisation. Donc moi, je prône une éducation à une pratique raisonnée des réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment, on les utilise, on ne les interdit pas, parce que c'est la grande tendance de l'éducation nationale que d'interdire, mais interdire quelque chose qui est présent dans toutes les poches des profs comme des élèves d'ailleurs, ça ne sert à rien. Et donc, par conséquent, éduquer à cela, les utiliser le plus tôt possible. Hein, dès le primaire, il y a des tweetés, des tweets classes qui se font. Et donc tout ça, ça permet évidemment de réfléchir aussi avec les jeunes aux usages. Hein. La réflexion sur les usages, ça veut dire qu'il faut bien sûr ne pas faire l'impasse sur les risques, les affronter, les mesurer pour pouvoir essayer de les dépasser. Et bien sûr, ça suppose aussi que les enseignants soient formés à cette éducation-là. En fait, j'ai envie de dire qu'il faut saisir des dispositifs qui existent déjà. L'éducation aux moyens d'information, l'EMI, ou l'EMC, l'enseignement moral et civique, ou même un certain nombre de supports de cours. Tout ça, ça doit permettre de réfléchir aux usages et donc d'avoir suffisamment de recul pour bien utiliser ces outils. Pour les journalistes aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est une mine d'informations. C'est-à-dire que les journalistes, ils n'ont pas le don d'ubiquité, ils ne peuvent pas être partout à la fois, même dans les rédactions très nombreuses, comme l'agence France Presse par exemple. En revanche, quoi qu'il se passe aujourd'hui dans le monde, l'actualité la plus dramatique, on pense aux attentats ou à des catastrophes naturelles, mais à quelque chose de plus anecdotique, je ne sais pas, un tapis rouge après une première de cinéma, vous avez toujours des gens qui vont être là pour témoigner, pour filmer, pour prendre des photos. Donc ça, c'est une mine d'informations sur lesquelles les journalistes vont pouvoir aller. Donc aujourd'hui, les journalistes s'en servent pour beaucoup de la détection d'événements. Ensuite, c'est à eux de faire leur travail de vérification, de sourcer, de dire voilà, j'ai vu ça, est-ce que vous confirmez, est-ce que vous infirmez, d'aller sur place. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une source conséquente d'informations. Ça permet effectivement d'avoir accès à une somme d'informations absolument conséquente. Vous pouvez être informé en temps réel. La radio, c'est notre copain. La télé, c'est la star. La radio, c'est notre copain. Et en fait, cette proximité-là, aujourd'hui,
elle existe énormément sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'est là que l'échange se matérialise le plus facilement possible. Et en fait, quand on commence à considérer les réseaux sociaux comme une extension de la radio, mais c'est un truc de fou. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait en radio, on peut le faire fois 1000 via les réseaux sociaux. On peut le faire à toute heure de la journée avec moins de moyens. Donc on peut le faire de façon beaucoup plus intensive. On peut faire ça à tout moment avec des gens qui viennent de partout et aborder plein de thèmes. Donc voilà, c'est beaucoup plus cool de faire ça aujourd'hui sur Internet. Ça décuple toute la mythologie possible de la radio. Les réseaux sociaux aident à trouver un emploi, ils aident à mieux se montrer, ils aident à comprendre finalement comment marchent les mécanismes de la mise en avant du personal branding, de la mise en avant des compétences. Ils peuvent aider à trouver un emploi directement. Avec un collectif comme Ifor Emploi, aujourd'hui, on a eu des résultats qui montrent que certains candidats ont pu trouver directement un emploi. Mais d'une façon générale, c'est plus un nouvel outil qu'il faut savoir utiliser, qu'il faut savoir maîtriser et qu'il faut appréhender dans sa recherche d'emploi. Ça serait dommage de s'en priver. Donc oui, les réseaux sociaux peuvent aider à retrouver un emploi. Les réseaux sociaux peuvent aussi aider finalement à rentrer en relation avec des communautés qui vont aider à trouver un emploi. Et c'est le rôle aussi qu'on a avec Ifor Emploi, c'est d'aider ces personnes qui sont en recherche et bien à trouver des recruteurs. Finalement, à mieux matérialiser cette relation et à arriver plus facilement à avoir une relation entre la personne qui est en recherche d'emploi et l'entreprise qui va avoir un poste à proposer. Aujourd'hui, dans les règles de temps de parole à la télévision, il y a l'engagement sur les réseaux sociaux qui va être pris en compte. Donc, les candidats sont obligés de se monter des communautés, de faire en sorte qu'à un moment donné, ils aient des relais sur les réseaux sociaux pour pouvoir avoir de la visibilité à la télévision. Donc, elle ne va pas nécessairement se jouer sur les réseaux sociaux, ou peut-être, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas dans un schéma américaine avec un Donald Trump qui va apparaître sur les réseaux sociaux et qui va devenir peut-être ou peut-être pas président des États-Unis. Donc en France, le schéma est un peu plus improbable. Mais en revanche, pour les candidats qui vont se présenter, oui, il va y avoir un impact. Et on le voit déjà d'ailleurs, ils sont présents, ils interagissent et on voit qu'ils ont un discours qui s'accompagne par une présence sur les réseaux sociaux. Ça pose la question de c'est quoi un réseau social en fait. Un réseau social sur Internet, c'est vraiment l'extension des relations qu'on a dans la vraie vie en fait. C'est comme si on disait, est-ce qu'un bar PMU est réservé aux jeunes? Est-ce qu'un billard est réservé aux jeunes? Est-ce qu'aller au cinéma et au centre commercial est réservé aux jeunes? Dans certaines mesures, oui. Dans d'autres, non. Faut juste en fait trouver où sont les gens avec qui on a envie de parler. C'est sûr que par contre, il y a des normes sociales qui en découlent. Du genre, par exemple, on sait que Snapchat, c'est un réseau social qui est très jeune. Instagram, c'est très jeune aussi. Si vous avez 60 ans et que vous arrivez avec le code de votre génération sur Instagram ou sur Snapchat, va peut-être y avoir un léger décalage qui va être très drôle, hein, pas méchant, mais très drôle, sauf si vous décidez d'être très méchant, mais auquel cas vous allez avoir un problème avec la justice. Mais non, il n'y a pas de limite en soi. Les limites en fait sont déterminées par les codes sociaux qu'on utilise dans notre milieu. Et en fait, c'est quasiment plus une problématique de classe plutôt que d'âge. Mais non, Mamie, tu peux rester sur Facebook, pas de problème.